L'abeille et l'orchidée. Voilà un bout de chemin. J'en ai rencontré un certain nombre de cette nature. Donc des petits sentiers où la végétation qui fait une haie pratiquement de part et d'autre. Donc en avançant, il est impossible de ne pas être, j'allais dire, contaminé. Je m'explique, c'est-à-dire touché, voilà, par les plantes, griffé, caressé, fouetté, voilà, par la végétation qui entoure. C'est très écueil. Donc tu passes nécessairement, tu vas prendre des particules et en laisser. Voilà. C'est un vrai processus de fécondation, si j'ose dire. Voilà, hop, voilà, les ronces. Et voilà, tu prends des petits bouts de plantes, fleurs. Et voilà, impossible de passer sans être touché. C'est pas mal. Donc avec toutes ces têtes chercheuses là qui avancent, voilà, des bouts de sentier, j'en ai rencontré comme ça, mais même des plus denses, qui fait de part et d'autre. Donc sur le chemin, c'est presque le processus de l'abeille et l'orchidée, c'est-à-dire chacun y trouve son compte, c'est-à-dire tu t'en sors pas indemne, c'est-à-dire tu laisses des... te grèves des choses, hein, ta peau récupère des particules multiples et variées, pistils, fleurs, griffées, tout ça, et tu en laisses, voilà. Dans ce sens-là, on s'en sort pas indemne d'un chemin aussi. On prend et on laisse. Voilà. C'est ça. Hein. Voilà, tout ça. Ça fait son affaire. Hein. Donc, pour la végétation, que ce soit une abeille ou moi, tout est pareil. Enfin, tout est pareil. Tout peut faire l'affaire, en fait, pour continuer, perpétuer, pour emporter, distribuer. Voilà. Donc, quand on dit on s'en sort pas indemne, propre ou figuré, c'est très concret aussi. Voilà, c'est très concret. Voilà. Donc, sur le chemin à la peau, évidemment, elle se tanne. Lumière, air, vent. Ça. Et elle est aussi tatouée par les têtes chercheuses. Fait, voilà, comme là. Tout dépend de la variété, évidemment. Chacun veut s'accrocher à sa manière. De la plus douce à la plus agressive. Voilà, hop, voilà. Et là, ça continue. Donc, ce sentier-là, donc on est dans une forêt ou un bois. On est pas loin de Rome, hein, autour de Rome. Donc je prends la Francigena, donc il nous fait passer par ce sentier. Et il dure, hein, je crois qu'il est assez long. Enfin, assez long. Quoi. Cette variété, hop, voilà. Et donc, métaphoriquement, c'est intéressant. Donc, tu ne rentres pas dans Rome comme ça. Tu passes à travers. Des orties aussi. C'est pas mal parce que il y avait ça évidemment, ou sinon si je suivais Madame Google, je passais par une espèce de voilà grande voie, c'est pas une commune nationale, en fait une grande entrée par ce voilà, c'est pas mal aussi hein, parce que ça permet aussi de découvrir hein, au fur et à mesure.